Salut tout le monde, c'est Gamer Disney. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon calendrier de l'avent Star Wars, Lego Star Wars, voilà, de 2020. Et juste avant que la vidéo commence, j'ai envie de vous souhaiter un joyeux Noël 2020. Voilà, je sais qu'on aura une année assez compliquée, du coup, profitez bien, voilà, passez de bonnes fêtes et un bon moment. Et maintenant, on passe à la vidéo. Alors, 24 cases, comme d'habitude, hein. Et du coup, on va les ouvrir. C'est parti. Alors, bon, je les avais déjà ouvertes et construites, mais c'est dans l'ordre. Alors, on a un joli petit vaisseau. Je me souviens plus très bien du nom. Je sais plus non plus lesquels c'est. Il est très sympa. Voilà, c'est. J'aime bien collectionner les calendriers de l'avant Star Wars. Ensuite. Nous avons la case numéro 2 qui est là. Et nous avons un joli petit pot d'Ameron. Voilà, très sympathique. Attendez. Très, on ne le voit pas très bien, dommage. Attendez. Oh merde. Pardon. Bon, voilà. Il y a un petit pull moche avec BB-8 dessus. Voilà, très sympa. Bon, on va pas passer toute la vidéo sur le personnage, juste pour que vous voyez bien. Numéro 3. Hop. Alors ça, si je me trompe pas, c'est une sorte de petite. Je sais même plus des noms, je suis désolé. Les sortes de. Sur Tatooine, ou même pas sur Tatooine pour des sortes de détecteurs. Je suis même pas sûr. Hein. Je suis même pas sûr. De ce que c'est vraiment. Je connais pas très bien tout ce qui est les noms des vaisseaux, tout ça. Numéro 4. Nous avons Luke Skywalker. Voilà. En mode Tatooine. Avec des petites jumelles dans la main. Voilà. Alors, numéro 5. Alors, ça, je crois que c'est un cargo impérial. Non, même pas, même pas. C'est un vaisseau, encore une fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire les noms des vaisseaux. Parce que là, je n'ai pas trop d'idées. Alors, numéro 6, si je ne me trompe pas. Bon, là, je crois que c'est le chasseur de Kylo Ren, même pas. Je suis pas sûr. Peut-être. Mais en tout cas, c'est un chasseur de l'Empire. Même un chasseur taille, peut-être. Je sais pas. Numéro 6, numéro 6, numéro 7. Il est là. Alors, nous avons un petit site trooper. Attendez. Voilà. Nous continuons avec, attendez, 8. Ah, lui est un petit peu plein dans la boîte. Il s'est cassé, je crois, attendez. Faut que je récupère l'autre partie. Voilà. Attendez, je dois tout construire. Bon, là, aucun doute, c'est un X-Wing. Attendez. Et voilà. Un petit swing, X-Wing. Très sympa. Nickel. Numéro 9, si je ne me trompe pas. Où nous avons Rey dans sa Rey dans sa tenue de Star Wars 9 avec un petit sabre laser que je viens de faire tomber. Voilà. Bref. Là voilà. Dommage, je vois pas très bien la caméra. Alors, ensuite, numéro 9, numéro 10. Il est là. Nous avons un petit Déo avec son petit chapeau de Noël. Voilà, le chapeau, il est plus grand. Numéro 11.
Nous avons le grand et le fameux, attendez, Falcon Millennium. Très beau lui aussi. J'en ai beaucoup des petits Faucons Millennium. Dans les carrosseries, à chaque fois, il y en a. Alors, numéro 11, numéro... Attendez, 12. Nous avons un petit Porg. Voilà. Un tout petit. Attendez, est-ce qu'il y a un chapeau de Noël? Non, il n'y avait rien. C'est bizarre, il y a des lettres là. Je regarderai en fin de vidéo. Numéro 13. C'est une navette, je crois. C'est une petite navette pas impériale. Je sais plus comment on les appelle. Hop. Numéro 14. Où se trouve-t-il? Là. Juste ici, où nous avons un petit droïde de combat. Voilà, un petit droïde. Hop. Nickel. Alors, 14, 15, juste ici. Alors ça, je suis même pas sûr de ce que c'est. Je sais plus si c'est les sortes de... pas navettes. Les sortes de choses où les vaisseaux peuvent rentrer à l'intérieur pour passer en vitesse lumière. Je sais plus du tout ce que c'est. Je suis désolé, je suis pas très pro, tout ce qui est vaisseau Star Wars, tout ça, les noms. Mais je suis vraiment pas sûr de ce que j'ai dit, donc bon, voilà. Numéro 16. On était au 15 ou au 16? Non, 16, exact. Nous avons aussi un petit vaisseau. Pareil, je ne sais plus du tout le nom, je suis désolé. Si vous le savez, dites-le en commentaire. Hop. Numéro 17. Nous avons un petit droïde, je ne sais plus non plus comment il s'appelle, et ces droïdes-là. Je vais se montrer. Je crois qu'il y en avait un dans Tatooine, dans l'épisode 1, là où Jar Jar il s'amuse avec. Mais sinon, je ne me rappelle pas trop de ces droïdes-là. Je pense pas que ce soit des. Pardon, des droïdes de protocole. 17, 18. Là, je pense que c'est un petit. Pas X-Wing, un vaisseau. Un vaisseau rebelle, un vaisseau d'attaque. Ou non, c'est pas ceux dans. Non, c'est pas dans l'Empire contre-attaque. Pas du tout. Peut-être je sais plus du tout les noms. Hop. Voilà. Numéro 18, numéro 19. Où est-il? Là. Alors, ça, je crois que. C'est une bête. Je crois que c'est une bête. Une créature. De Tatooine, je crois, je sais plus comment il s'appelle, les sortes de. Les sortes, je sais même plus. Là, les bêtes de Tatooine pour se déplacer, que les Jawa utilisent, je crois. Les Jawa, les. Tusken, les hommes des sables. Les hommes de sable. 19, 20. Alors, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Merde. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas une sorte de défense pendant. Je crois que c'est à voir avec la bataille de Hoth. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Je me rappelle que j'avais eu un Lego sur la bataille de Hoth qui était qui ressemblait à ça en plus grand. Donc à voir. 20, 21. Un petit bonhomme de neige. Voilà. Très rigolo. Petit chapeau là. 22. Un Stormtrooper de l'Empire. Voilà, ça va s'ajouter à ma petite armée de Stormtrooper. 23, on arrive à la fin. Alors, ça. Eh, je suis tout tombé aujourd'hui. Je fais tout tomber aujourd'hui. Il m'avait demandé sur la boîte de aligner ça, je sais plus ce que c'est. Alors,
Je sais pas du tout ce que c'est ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi. Et il y a ça à côté. Je sais pas si ça a à voir avec la planète de lave. Je sais plus du tout ce que c'est. Dans Star Wars 3, je sais pas comment ça s'appelle. Et la 24, qui est Dark Vador avec un pull moche de Noël, qui est l'étoile de la mort. Voilà, très très marrant. Puis surtout très sympa. Voilà. Alors juste avant de finir la vidéo, les amis, j'ai vu qu'il y avait des lettres. Alors juste regarder à quoi elles correspondent dans l'ordre. Alors je me souviens, 1, 2, L. Il y a un L. 3. Attendez. 4. L, I. Ok. 4. 5. 6. 7, non, rien. 8, non. 8, 9. F, L, I, F. 10. Non, 11. Ça fait livre pour l'instant. 12, L, life. Ok, L, I, F, E. Ok. 12, 13. 14, non. Numéro 15, non plus. Numéro 16, il est là. D. Life. Lifehood. 16, non, je suis pas très bon dans les. 16, 17, 18, non, rien. 19, la, leaf, lifehood. Lifehood, désolé pour mon accent pourri. 19, 20, 21, là vous dites rien, hein. Non, 22, 23 et 24, life day, life day, alors je sais pas du tout ce que se dire, attendez. Bon alors je viens d'aller voir apparemment c'est la vie, life day, je sais pas trop si c'est ça, je suis pas un pro anglais. Life day, peut-être que c'est la vie entière, je sais plus très bien, je sais plus du tout la traduction, je suis désolé. Vous devez me prendre pour un nul en anglais. Alors voilà, ta belle petite collection de mon calendrier Star Wars. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez de bonnes fêtes de fin d'année, Noël et puis Nouvel An. Je crois qu'il y aura un peu de vidéos avant 2021, voilà. En tout cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à activer la cloche. Et moi, je vous dis, bye bye tout le monde.